Une salle euphorique à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Leur maire communiste Hubert Vulfront est élu à l'Assemblée nationale. Au premier tour, il avait quelques voix de retard sur le candidat de La République En Marche, Cyril Grenot. Vous êtes tous évidemment députés ce soir. Aujourd'hui, il l'emporte largement avec 61,07% des voix et un report de voix entre les deux tours qui dépasse visiblement les voix de gauche. Il y a à la fois un enthousiasme, bien sûr, par rapport à cette élection, mais aussi une réelle responsabilité. Il va convenir de s'atteler au travail, un travail dont vous savez qu'il va être ardu. Ardu, bien sûr, pour les députés vraiment à gauche, et ardu aussi pour les salariés qui vont, surtout pour eux d'ailleurs. La tâche s'annonce difficile face à une majorité écrasante de La République En Marche, et c'est une toute première pour Hubert Vulfront, qui n'a jamais été député.